toi tu me réponds ça comme ça, tu veux me quitter? Mais quoi, ça ne se plus quand il y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Mmh. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Quoi? Oh putain, t'as vu l'heure? Quoi? Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser? Non, on va pas baiser, je veux bosser. Oh non, tu fais chier. Fais-moi bosser mon sexe en supplie. Moteur! Attendez, moteur! Ah ben ça, notre producteur. La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet. Je change pas une ligne du scénario. Ça représente combien votre apport? 1 million d'euros. Tu rejoins les producteurs au resto? Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gastro avec 2 têtes de cul. Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier? Bah carrément, à fond. Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule. T'es obligé de crier tout le temps? Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison 1000 fois. Le principal financier du film nous a lâchés. Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé. Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe? Bah, tu dis rien, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes. Ton film, comment ça va? Bah, les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme mais ta gueule, toi, je te pardon pas. Arrêtez, oh. Les acteurs font n'importe quoi. T'es peut-être une grande vedette. Bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute. Que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive. Eh hey, mais il pleut les gars, il pleut. Putain mais vous me faites tout chier. Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul. T'as trouvé un repreneur? Non, pas encore, pourquoi? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar. Du Qatar? Mais c'est quoi cette histoire encore? C'est vrai cette fois-ci. Attends, comment ça? C'était pas vrai l'autre?